Avant de commencer, petit dédicace à Taikaido, alias Valentin. Comment je t'ai dit ça, mon gars? Bon, en attendant, petite dédicace. Et aussi, petit dédicace à Tibaxi, mon petit. ça rime. Je me suis dit, ça rime, allez, on est chaud, boum. Bon, en attendant, petit dédicace. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay d'un petit gars là, car R&D c'est un fou lui, non je déconne, c'est moi qui suis R&D, c'est un truc de ouf, alors petit sourire, petite bonne chance, hier j'étais chaud et tout, je me disais allez c'est bon, on va se faire un petit peu une arène légendaire histoire de kiffer, malheureusement aucune légendaire à acheter dans le shop, ça m'a un petit peu déçu, mais c'est pas très grave, c'est pas l'important parce que de toute façon j'en ai rien à foutre. Donc monsieur dès le début nous casse les bonbons mais bien comme il faut. Ça fait très très mal ça, on va pas se le cacher. Donc je ferai qu'une attaque avec ce... Ah bah allez, wouhou. On commence trop bien les gars avec une petite tour de l'enfer qui va nous défoncer bien comme il faut. Ça on va pas se le cacher. Donc du coup... Alors juste au passage le deck est à Wall AFN. Voilà donc c'était juste pour info. Et bien vu qu'on a bien le démon... On va redescendre d'arène, qu'est-ce que je dis? On va perdre, tout simplement, donc on va être pas loin de redescendre d'arène, ça c'est vrai. Donc je ferai pas plusieurs attaques, parce que j'ai pas non plus envie de redescendre à 2200 trophées, hein, comme la dernière fois, alors que j'étais à 2800 ou je sais plus combien, parce que je testais les decks pour avoir des bons gameplays, tu vois, puis à bout d'un moment, je lâchais prise, quoi. Et au final, je suis retombé, bah j'étais à 2200 trophées, ou 2300, je sais plus exactement. Laissez tomber vos decks, c'est des trucs de ouf, comment ils sont pas... optimisé pour moi. Non mais j'ai tellement l'habitude d'avoir du golem, enfin du... comment ça s'appelle? Oh mais comme il est long à mettre lui. On va quand même tenter, je sais pas, de faire quelque chose. Oh oui, mais j'avais oublié l'électrovision. Et boum, si je fais ça, ça passe plutôt bien, non? Et l'autre là, il faut qu'elle saute là. Regarde-moi ça. L'autre là, la Valkyrie là, faut qu'elle revienne en arrière. Cette teubé mentale là. Ah là, je te jure. Ah, bon, bah, tu vois, ça va être impossible, hein. Franchement, ça va être impossible du tout. Ouais, compliqué à utiliser ce deck, ça va pas se le cacher, hein. Et puis aussi, vous avez vu un petit peu mes troupes quand elles sont pas trop élevées. Quoique, on a quand même de la gargouille qui est plutôt élevée. On a de la Valkyrie, on a du Soso, de glace, sorcier de glace, on a de la... Quoi qu'ils ont plutôt élevé en plus les troupes, hein. Non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Attends, bah oui, mais voilà, c'est pour ça que j'y arrive pas. Parce qu'il y a de la tour de l'enfer en face, les gars, c'est impossible. Je me disais aussi. Non, c'est la tour de l'enfer, laisse tomber. Non, mais l'autre, il m'a saoulé avec sa tour de l'enfer de mes deux, là. On va quand même tenter de faire quelque chose. On va envoyer masse de troupes, on va voir ce que ça donne. On sait jamais, des fois, avec de la chance et tout. On va faire ça, comme ça. Boum, hop là, on va tenter de défendre un max. Ça qui devrait plutôt bien passer. Nickel. Ouais, c'est bon. On va peut-être pouvoir... Quoi? Mais non, mais tu te fous de moi, là. C'est pas possible. Je suis tombé sur le seul Pégu qui a un... qui a une tour de l'enfer, là. Ah là 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 là. Bon, vous savez quoi? Moi, ça m'a saoulé. C'est quoi? Regarde, regarde. De toute façon, on sait, on a perdu. Hein. On a perdu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite, attention. Allez, c'est parti. On va tenter un petit peu de vous montrer un petit peu ce que c'est un vrai deck. On va tenter, je dis bien, parce que c'est pas sûr à 100% qu'on y arrive, tu vois, parce que c'est pas non plus le deck le plus parfait du monde. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, hein. Il y a des fois, si t'as de la chance et que tu tombes pas sur la tour de l'enfer, parce que la tour de l'enfer, c'est vraiment mon ennemi sur tous mes decks, c'est vraiment des gros decks, tu vois, et si t'as une tour de l'enfer en face, c'est mort ou presque. Voilà. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Boum. C'est parfait, c'est nickel. Ça fait plaisir. Donc, bon, à la limite. Ok, une tour de l'enfer, mais pas de boule de feu, sinon je te pète les dents. Hein. Ni de flèche ou de sorte de zap. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? En plus, c'est même pas ça que je voulais envoyer, c'est les barbares d'élite que je voulais envoyer. Mais c'est pas très grave. Bon, ça va. Au moins sur ce deck, c'est déjà un peu plus facile, même s'il y a de la tour de l'enfer. Donc ça passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le coup du coup, hein, enfin le coup du siècle. Ah ok, d'accord, c'est pas ce que je voulais tenter en fait. Bon bah c'est pas grave, on a ça, c'est déjà bien. Ça passe ou pas? Ouais, c'est bon? Ouais, ok, tu passes nickel? Et ben voilà. Et voilà ce qu'il faut pour défendre contre les barbares d'élite. Les barbares d'élite, tout simplement. Alors est-ce que tu fais un petit coup? Ah, dommage. Eh, franchement, ça aurait été vraiment pas mal. Ça aurait été le kiff total. On va mettre ça. Putain, à chaque fois, je mets n'importe comment mes troupes là, parce qu'il en envoie deux en même temps et tout là, et... Faut la mettre en bas, la troupe. Hein, les archers, ça tire de loin, tu vois. Ah là là. Non, franchement, je suis vraiment... Non, on va tenter. On va tenter de faire ça bien. De toute façon, on est bientôt dans un minute spécial. Et vous allez voir que dans un minute spécial, il va pas rigoler du tout. Quoi qu'il a les barbares d'élite, cet enfoiré, là.
Ah, mais c'est compliqué aussi, hein, voilà. Il connaît les bonnes troupes, le monsieur. Et ben, on va quand même tenter de mettre... Allez, tu sais quoi, de la méga gargouille et des hors de gargouille. Allez, on met tout ça. Ça passe ou pas? Non, mais vas-y, mais c'est pas possible. Tu te fous de moi, en fait, là. C'est un troll, c'est ça? C'est un troll, hein. Allez, vas-y, tape. Allez, encore. Mais non, mais c'est sérieux. Bon, on va essayer quand même de... Minimum de taf, ouais. Bon, c'est quoi? On va essayer de défendre avec la Valkyrie. Et les archers, tiens. Et les archers, tranquille. Ah, ça passe pas trop bien. Quoique ça va. Et c'est quoi? On va rempiler avec notre petit sort de rage et tout le bordel. Mais non, sérieux, quoi. Bon, ça passe. Oui, ça passe de... C'est déjà bien. Du coup, on va pouvoir mettre notre molosse de lave à gauche. Et là, on va pouvoir faire du taf cette fois-ci. Fallait pas utiliser la tour de l'enfer. Bon, allez, c'est parti, on y va. On va mettre ça. Normalement, ça devrait plutôt bien le faire. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Moi, je dis ça. Quoi, encore, déjà? Mais non, mais il y a à peine de la mettre. Oh là là, et puis les autres bouffons là dehors du gargouille qui revont derrière et tout, tu sais. Laisse tomber. Bon, je m'en fous, il y a masse de troupes qui arrivent. Ça risque de faire du bon taf. Allez. Au dernier moment, t'as trop le seum. Ah, c'est bon ça. Donc, du coup, il a un peu le seum. Ça, on va pas se le cacher. Et on va tenter de mettre de la Valkyrie. Tiens, Valkyrie, s'il vous plaît. Valkyrie. Non, s'il te plaît. Valkyrie. Allez. Oui, la Valkyrie. Oui, on va mettre l'archer, on va mettre les barbares d'élite si on peut. Les barbares d'élite, s'il vous plaît. Et on n'a pas le temps pour les barbares d'élite, on va mettre ça. Ça ira bien, c'est moi qui vous le dis, ça ira bien, s'il vous plaît. Ouais, allez, max de taf. Max de taf, je m'en bats les steaks. Allez. S'il vous plaît, oui. Encore. Ouais, ok, on n'est pas loin d'y arriver. On va mettre les barbares d'élite. La Valkyrie ici. Nickel, ça fait plaisir, on va mettre les archers. Allez, barbare d'élite. Ouh, c'est déjà pas mal. Regardez-moi ça, comment on fait du taf. On va le défoncer, je m'en bats les steaks, on le défonce. Alors là, allez, je m'en fous. Vas-y, les archers qui font trop de taf généralement. Donc là, ça va le faire, j'en suis sûr. Ah, de pas loin. Et franchement, vous avez vu, ça, c'est un bon deck. Donc du coup, bien joué. Ça, c'est un bon deck, tu vois. Ça, au moins, c'est à la limite, tu vois. Et là, vu qu'on est arène légendaire, c'est pas des petits joueurs en face. Franchement, c'est des joueurs de compète et tout. Bon, encore à savoir, on est qu'à 3000 et quelques. On n'est pas à 4000. À 4000, là, c'est des vrais compétiteurs, Montaï. Ou presque, ça dépend. Parce que des fois, il y en a, ils sont pas forcément compétiteurs. Et puis, ils jouent très, très bien. Mais en attendant, franchement, on avait quand même des bons joueurs en face. Et donc, du coup, ça rigole pas, tu vois. Et là, tu vois, c'est un deck à la hauteur du... Il faut se mettre à jour, en fait. Parce que si t'as pas les barbares d'élite, tu te fais mais exploser. Ah mais c'est impossible de les défendre, hein. Ou quasi impossible. Il y a peut-être 2-3 petites choses par-ci par-là qui les défend à peu près bien. Mais sinon, laisse tomber, c'est impossible à les défendre, c'est un truc de fou. Si t'as pas les barbares d'élite, c'est un truc de loser après, hein. Bon, en attendant, ça fait plaisir, on a une petite égalité. Donc vous voyez, ça c'est déjà un peu mieux comme deck, tu vois. Hop là, bam. J'aurais préféré gagner, mais bon, malheureusement j'ai une égalité, c'est comme ça. Mais du coup, ce deck, franchement, m'aide plutôt bien. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, moi, c'était cool.